Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Orlando est au foot et hier j'ai reçu un colis. Enfin, je vais vous montrer tout ça après. J'ai reçu un colis, enfin deux colis, deux collaborations que j'ai reçues. Donc, je voulais vous en parler aujourd'hui. Voilà. Bah, sinon, j'ai repris le boulot. C'est pour ça que ces derniers jours, vous n'avez pas eu de vidéo postée. Il faut le temps que je reprenne le rythme après 7 mois d'arrêt. Ça n'a pas été très très facile de reprendre avec Paolo, bah voilà, qui se réveille même quand je suis en repos. Je suis réveillée à 6h, 6h30 du matin. Du coup, voilà, j'étais un peu fatiguée quoi. Il faut le temps que je reprenne, etc. Une nouvelle organisation. Mais au niveau, voilà, de mes vidéos YouTube, ça ne va rien changer du tout. J'ai l'intention de continuer à poster 2 vidéos par jour. Donc une le week-end. Je pense que je vais garder le créneau du dimanche soir, enfin aux alentours de 18h toujours, et une en milieu de semaine. Donc j'aimerais bien le mercredi et le dimanche 18h, ça serait cool. Je vais essayer de me contenir à ça. Donc voilà, il faut que je mette une nouvelle organisation en place et ensuite ça roulera comme sur des roulettes, j'en suis certaine. Donc là, je vais vous faire un crash test vraiment du produit que j'ai reçu parce qu'il est encore fermé. J'étais trop pressée de l'ouvrir, mais voilà, je voulais vraiment faire le truc comme il faut. Donc pour tout vous dire, c'est le site Belle Chloé qui m'a envoyé un mail pour savoir si je voulais faire une collaboration avec eux pour tester des fossiles magnétiques. Donc voilà, j'ai accepté parce que j'aime bien tester, voilà, tout ce qui est trucs beauté, maquillage et tout, c'est vraiment un truc que j'adore. Et en plus de ça, j'ai jamais, mais vraiment jamais mis de fossiles, que ce soit des magnétiques ou avec de la colle. J'ai jamais mis de fossiles de ma vie, tout simplement parce que voilà, la colle et tout, bref, j'ai pas trop de patience pour ça. Et du coup, j'ai jamais voulu me prendre la tête à poser des fossiles. Là, je me suis dit, des magnétiques, ça peut être un bon compromis. Bien sûr, genre, mais je ne les mettrai pas tous les jours, mais ça peut être sympa à mettre, voilà, le week-end, en soirée, un mariage, je sais pas trop. Le temps que ça reste naturel, moi, ça me dérange pas. Du coup, j'ai accepté la collab avec le site Belle Chloé. Et voilà, du coup, je vais tester ça tout de suite. Donc, ça se présente comme ça dans une boîte. Une boîte en plastique comme ça. J'ai un petit manuel explicatif. Ok, et donc là j'ai la pince, à mon avis c'est l'applicateur du coup. On dirait un peu comme une pince à épiler mais avec un embout plat comme ça. Donc c'est parti. Ah bon, ça a l'air vachement, vachement naturel. Donc en fait quand on l'ouvre ici déjà on a un miroir comme ça, une première protection en plastique. Donc j'ai suivi vraiment les indications qu'il y avait ici sur le petit truc. J'ai mis sur la pince donc les fossiles. Donc là vous voyez pas, c'est vraiment minuscule. Donc logiquement là ça devrait Ok. Alors c'est mis, mais j'ai. Bah, je vais vous montrer hein, parce que c'est le but du crash test. Clairement, ça me fait trop bizarre. On voit que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir des fossiles. Donc en fait, il est mis. On voit ici qu'il est mis. Mais là, j'ai le dernier qui a pas pris. Donc, je vais essayer de le rajouter à la main directement. On voit que je ne suis pas du tout habituée aux fossiles. C'est-à-dire que mon œil pleure. Alors que ça fait pas mal du tout. Il n'y a pas de colle, rien du tout. Donc, voilà. Mais j'ai l'œil qui pleure. Bon, bah, franchement, je suis agréablement surprise de l'effet que ça donne, c'est naturel et tout. Après là clairement comme c'est la première fois, c'est vraiment un crash test complet, mais complet. Du coup ils sont pas parfaitement mis. Je pense qu'il faudrait que je les mette plus vraiment en rat-cils. L'application est vraiment très très simple. Ici sur la partie haute du coup de la pince, on n'a qu'à mettre le fossile complet. En fait sur la partie basse, on met les trois petits qu'on a jusqu'ici. Donc on a middle et voilà, côté droit, côté gauche. Enfin vraiment c'est très très simple, c'est bien expliqué. Il n'y a rien à dire. En plus le fait d'avoir un miroir comme ça c'est cool parce qu'on peut se les mettre même je sais pas à l'extérieur, enfin ou les retirer très très facilement.
Voilà, là je trouve qu'on voit vraiment beaucoup mieux du coup avec cette lumière-ci. Donc comme je vous disais, voilà, je pense que je pourrais mieux les appliquer vraiment au niveau du coin interne de l'œil. Je pense que ça pourrait faire plus joli de les rapprocher un petit peu. Mais voilà, je suis vraiment très très contente. Avec un maquillage des yeux, un trait de liner, voilà, un truc un petit peu plus sophistiqué, ça rendrait beaucoup mieux, ça ferait vraiment des yeux de biche trop trop beaux. Là, bon bah c'est vrai que ça attire beaucoup l'œil, étant donné que je suis pas maquillée, ça peut pas non plus choquer, mais voilà, ça peut attirer plus l'œil et faire moins naturel. Mais vraiment, je les trouve très jolies. Donc au niveau du site, du coup, je crois que ça met environ une dizaine de jours pour recevoir le colis. Le prix du coup de ces cils magnétiques est de 22,99$. Et normalement, j'ai un code promo pour vous de 10% sur votre première commande sur ce site, mais je ne me souviens plus du code, enfin je crois d'ailleurs même que je ne l'ai pas reçu. Du coup je vais envoyer un mail directement à la fille qui s'est occupée, voilà, de mon colis, etc. pour voir si elle peut m'envoyer le code. Mais en tout cas je suis super contente, je les trouve vraiment très très beaux ces fossiles. Donc là, c'est un colis que j'ai reçu de la part de Twist Shake. Je suis en train de me demander où j'ai mis le colis. Et eh ben, il est là. Donc en fait, j'ai reçu un mail de la part du site Twist Shake pour tester leurs produits. Donc j'étais trop contente. Voilà. J'étais trop contente parce que c'est vraiment une marque que j'avais envie de tester depuis très 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 longtemps. Non, là, ça va pas aller. J'ai envie de poser ma caméra, mais je ne sais pas où. Je vais la garder à la main. Donc c'est une marque que j'ai beaucoup beaucoup vu passer vraiment sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Je vois beaucoup de photos avec les biberons, etc. de la marque Twist Check. Et quand on m'a proposé vraiment de tester les produits, j'étais super contente. Donc en fait, j'ai pu choisir un biberon et deux squeezy bags. Donc c'est en fait les gourdes réutilisables. Donc j'ai reçu deux squeezy bags comme ça, donc j'ai pu choisir la couleur. Franchement, ils font des motifs vraiment trop beaux. Il y a les motifs style animal, donc léopard, zèbre, etc. Là, moi j'avais demandé un coconut et un ananas. Donc ils sont vraiment trop jolis. Donc là, j'ai deux contenances différentes. Du coup, je regarde sur le papier. Celui-ci, c'est un 220 ml et celui-ci, c'est un 100 ml. Donc là, on va commencer la diversification alimentaire d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près avec Paolo. Donc pour l'instant, ils ne nous servent pas encore. Mais voilà, j'ai adoré le concept. C'est un truc aussi que j'ai vu sur le site de Verbaudet, clairement. Mais voilà, j'adore vraiment le concept de la gourde réutilisable pour faire les compotes, etc. Parce que moi, tout ce qui est compote, purée, yaourt, tout ça, vraiment c'est ce que j'aimerais faire moi-même, justement, plutôt que d'acheter en industriel. Du coup, le truc des gourdes réutilisables, c'est super chouette. Donc en fait, vous avez la gourde comme ça, classique, avec ici le bouchon, donc pour ouvrir. Il y a une sécurité, donc qui est très très bien fermée. Moi, j'ai galéré à ouvrir la première fois. Et ici, en dessous, en fait, c'est fermé. Et d'ailleurs, c'est tellement bien fermé que voilà, c'est pareil, il faut y aller pour l'ouvrir. C'est fermé de façon hermétique, mais alors c'est très très bien hermétique. Pour ça, il n'y a pas de souci. Et donc, vous venez remplir la compote par ici dessous. Et pareil, on peut laver par-dessous. Donc, ça passe au lave-vaisselle, ça passe au lave-vaisselle, c'est sans BPA, etc. Bref, on peut congeler, enfin voilà, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est cool. Du coup, il y a les deux contenances sur le site, n'hésitez pas à les voir, il y a vraiment plein de motifs, plein de couleurs différentes. Et donc pour le biberon, comme je vous disais, bon, j'ai reçu un biberon rose pour Paolo, alors j'avais demandé un gris, mais c'est pas grave. Je viens de le laver rapidement parce que voilà, on l'a utilisé tout à l'heure. Mais pour vous montrer un petit peu, donc ça, je trouve que le biberon, il est vachement, vachement bien. Donc là, j'ai demandé un biberon de 260 ml, mais vous avez différentes contenances. Donc il y a le biberon comme ça. Bon bah, sinon pour une petite fille, c'est vrai que l'eau rose, il est vraiment très très beau. Ils sont comme ça en plastique, mais ils sont super jolis. Moi franchement, j'aime beaucoup le design du biberon. Donc ici, vous avez en fait le couvercle, hein, tout simplement, la tétine. Et à l'intérieur, comme ça, je vous montre, il y a une petite grille
comme ça, donc qui sert à mixer en fait le lait, la poudre avec l'eau, et donc ça évite qu'il y ait des grumeaux quoi qui viennent se bloquer dans le bout de la tétine. Donc Paolo il a du mal à prendre la tétine parce que vous voyez elle est quand même assez assez allongée, c'est pas le style de tétine qu'il a l'habitude de prendre, donc il sait boire avec mais il galère un petit peu. Mais ce que je trouve vraiment bien dans ce biberon, c'est qu'à l'intérieur en fait, je vous montre comment je l'ai reçu. Je le relaverai tout à l'heure. Là, je vous montre vraiment le principe. Donc moi, je l'ai reçu comme ça, le biberon. Donc c'est qu'à l'intérieur, il y a le truc pour mixer et un petit contenant comme ça. Donc au début, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en fait, c'est un petit contenant qui sert à mettre le lait en poudre. Et donc on peut le ranger comme ça dans le biberon, refermé avec le couvercle par-dessus. Et donc au moins vous avez la petite réserve de lait en poudre qui est à l'intérieur. Et ça, je trouve ça vachement bien. Ça, je trouve ça vraiment super chouette. Ça évite de prendre soit la grosse boîte de lait ou les petits doseurs à lait à côté. Donc là, ça se range comme ça dedans. Et ici, on a le couvercle qui vient se mettre dessus. Donc voilà, ça fait un tout en un vraiment. Donc ça, je trouve que c'est super chouette. Vraiment, vraiment, je le trouve vachement bien. Donc ça, j'étais super contente. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. À savoir qu'il y a 4,99€ de frais de port donc, pour être livré en France. Et à partir de 50€, les frais de port sont gratuits. Et du coup moi j'ai eu un code promo, donc c'est Anaïs Family tout collé, de toute façon je vous mets tout dans la barre d'infos, mais j'ai un code promo de 20% qui est valable sur l'entièreté du site. Donc voilà, je trouve que c'est quand même intéressant, c'est vachement chouette. J'étais contente du coup de pouvoir vous faire partager un code promo. Je vous laisse pour aujourd'hui parce que j'ai un bébé qui va bientôt se réveiller je pense, déjà c'est étonnant qu'il dorme toujours. Donc voilà, je vais vous laisser ici, je vais aller préparer pour le bain, le biberon, bref, la routine du dimanche soir. En tout cas, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.